Pour les petits détails comme ça, j'utilise une tondeuse à pubis et ça se vend à Monoprix. Mais le problème c'est que comme c'est pas fait pour les cheveux et que je l'utilise beaucoup, et ben la lame elle s'use assez rapidement. Elle aime bien poser sur Hello Kitty. Mais elle est trop mignonne, elle s'appelle Laure. Je m'inspire de mollusques ou de chenilles. Là, enfin, l'huître par exemple, c'est une surface qui est hyper irrégulière, saccadée, il y a des irisés, il y a des endroits où c'est rocailleux, un peu plus grand. Du coup, retranscrire ça, des formes aléatoires, mais harmonieuses. Et je trouve ça magnifique, une huître, alors qu'il y a des gens, bah, ils vont juste être là en mode « ou on dirait un molar. Les cheveux, c'est le truc le plus instable, c'est comme dessiner sur une plage. Genre, tu sais que ton travail il va être là et tout, tu peux en faire ce que tu veux et après bah, ça va retourner à autre chose. Et j'aime bien voir l'évolution que ça peut donner et même jouer avec. Et j'aime beaucoup le fait que ça soit éphémère. Ça m'angoisserait si c'était à vie. Pendant hyper longtemps, j'avais les cheveux roses fluo, mais méga fluo. Et je me rendais compte que du coup, on se souvient de moi. Bah, c'est vrai que les cheveux, c'est hyper visible. Comme on dit quand on a des tatouages sur le visage, c'est tout de suite un statement. Quartier où il y a absolument tout ce qui concerne les cheveux qui est concentré au même endroit. Du coup, quand je viens chercher un produit, je sais que je vais le trouver ici. Trop fun. Ok, je pense que c'est bon. À chaque fois, je me fais avoir parce que je veux acheter qu'un seul truc que j'achète. Une mèche de cheveux qu'elle m'avait donnée. Une mèche des cheveux qu'un jour j'ai caressé. Une mèche de cheveux qui venait de susciter le souvenir d'un temps heureux, le doux mirage d'un été. Retourne-toi vers moi. Et tu le prends et tu essayes de le trouver. Et tu te dis. Waouh, j'aime trop la Hello, il est beau. Tu as trop bien fait. On dirait qu'il y a marqué Billy aussi. Ah oui, non. Avec le B.